Voilà, on nous dit le tour et nous commençons nos corrections par papier l'examen d'un chapitre architecture. Donc, qui chapitre n'était architecture, d'accord? Les chapitres architecture, nous finissons d'expliquer ce chapitre-là, mais aujourd'hui, nous corrigeons par papier l'examen, correct? Allez, nous avons un coup de bonne question d'un chapitre architecture, nous avons. Voilà, première question qui nous avons été, là. Je tue dans cette page, dans cette bouclée, page 40, c'est novembre 2020. Ok? Papier 13, question 2. Right? Allez, nous commençons là, hein? Novembre 2020. Nous vous commencez à corriger, nous vous demandez les questions là. Et malheureusement, Batoubara, ce nom vient avant. Je veux dire, tous les temps, les gars, les questions avant, les gars, monsieur, c'est nom vient B, mon vient avant. Ok, pas faire rien, Batoubara, pour ces réponses. Novembre 2020, papier 13, question 2. Allez, The Von Neumann Architecture. Tu as déjà entendu parler, Batoubara, de Von Neumann Architecture. Lui-même, c'est scientiste, qui premier scientiste qui fait Computer Architecture, Von Neumann Architecture. Trois questions dans Von Neumann Architecture nous causer. Est-ce que Batoubara encore rappelle? Qui nous causait dans Von Neumann Architecture? Allez, trois questions importantes. Vous voulez si tu rappelles? It is a first basic architecture. Très bien, first basic architecture. Mais c'est moi qui l'étudie là, dans l'étudiant, la ligne qui est bien importante. Single processor. Qui l'étudie? Single processor. Qui est le single processor? Only one CPU. Allez, device RAM chain. Von Neumann étudie en coin d'affaires. Single processor, nous finissons déjà. Deuxième affaire, qui l'étudie? Linear sequence of execution. Deuxième affaire qui l'indique, linear sequence of execution. Qui dit linear sequence of execution? Does one thing at a time. Faudrait en fetch, decode, execute cycle terminé pour lui faire next cycle. Le Duga, Von Neumann India en coin d'affaires. Troisième affaire qui l'indique? Stored program concept. Oui, stored, S-T-O-R-E-D, ça. Stored program concept. Qui veut dire stored program concept? Data and instruction are considered as the same and they are stored in the same memory. Oui, et tu capable d'ajouter là-dedans de dire they are indistinguishable. Indistinguishable veut dire they are considered as the same. Voilà, si tu as une question, le Von Neumann Architecture pour 3 points, describe, c'est ça 3 la ligne qui m'ont dit, tu as besoin de dire. Correct? Allez, nous continuons maintenant. Maintenant, nous pour répondre à sa question, ah là là. Identify the components within the CPU that controls, qu'est-ce que ça? Controls the flow of data. Bon, ça, grid array pour répondre. Grid array. Hashini. Hashini. Qui partie de CPU qui contrôle the flow of data? Lui-même, comment dire, save des gars de la gare, il contrôle tout le vis. Et ce nom, l'aime, dis-toi. Réponse. Grid array. Si pas qu'on est déjà passe pour les autres élèves, il y a un sens. Allez, Gridari, non, pas là. Si pas qu'on est, attends, une réponse, là, moi. Control Unit, très très bien. On a ça, Ujidan, dire. Ok, Ujidan, il finit une réponse, c'est Control Unit, très bien. Ok, il veut dire Control Unit, CU. CU qui veut dire Control Unit. Si maintenant l'examen, tu n'as pas écrit CU. Tu écris comme ça, Control Unit. Control Unit, ok. Bon, avec un mouse, il y a des difficultés à écrire, mais j'espère que je vais comprendre. Allez, next. Maintenant, Jawahir. Identify the components within the CPU where calculations are carried out. Allez, dis-moi. Arithmetic Logic Unit. Très bien, très bien. Bon, dans l'examen, tu ne peux pas écrire ALU, c'est moi. Hein. Moi, pour short, je peux écrire. Mais dans bracket, tu peux écrire. Je vais dire, tu peux écrire en complet. Arithmetic Logical Unit. Moi, je peux écrire avec mon mouse, mais je ne comprends. Allez, l'autre question. Choi Tu. Identify the component of the CPU that stores the address of the next instruction to be processed. Allez, jolie question. Redia? Memory? Non. Gete. Ordon? MAO? Non, ça aussi pas bon. Qui a fait code address? Ouais. Exact, PC. PC. PC veut dire programme 41. C'est pas dans l'examen, pas écrit PC, hein. Écrit complet. Programme. Programme. Moi, je vais écrire programme 41. Ok. Moi, j'espère que je vais comprendre. Moi, je vais écrire avec mon mouse. Moi, je vais un pen, là, moi, je écrire. Moi, j'ai un autre laptop, mais il y a un peu un problème. Ok. Programme 41. Correct, là, je vais comprendre. L'examen écrit complet. Voilà. Maintenant, nous continuons. Programme 41. Veut dire programme 41 qui est là, the address of the next instruction.
Le la depuis programme 41, kote ya voye da MAR. Depuis MAR, ya da mémoire. Li prend ce détail, structure ya voye da MDR. Après, depuis da MDR, ya voye da CIR. Vous avez ici réponse c'est programme 41. Allez, l'autre question maintenant. Kumar. Identify the register within the CPU that holds an instruction that has been fetched from the memory. Allez. Qui registre les codes instructions qui n'ont amené depuis la mémoire, les codes temporaires. Qui registre ça? Allez, Kumar. Allez, vite, 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 vite. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Allez, si Kumar va pour répondre, il n'y a pas. Memory address register. Non. Memory address register, les points de mémoire. Il dit toi qui côté pour aller dans la mémoire. Donc qui tu vois une data là? Sa question avec qui dit qui register okay, dans CPU qui hold instruction and data that has been fetched. Veux dire, ton arbre de mémoire, ton arbre de data, tu peux garder ici. Ton arbre de data, tu peux garder. Veux dire, MDR. Ok, même MDR. Et l'autre mot pour MDR, qui veut dire MDR? Memory data register. Et l'autre mot pour lui? Memory buffer register. Ouais, qui veut dire buffer? Buffer avec un temporary area, ok? Temporary storage. Voilà, un temporary storage. Maintenant, l'autre enfant, Makun. Identify the CPU, identify the register in the CPU that holds data that has. Attends, un moment, je vais faire là. Identify the register within the CPU that holds data that has been fetched from the memory. Là où ça me fait là. Identify the register within the CPU that holds an instruction that has been fetched from the memory. Identify an a register within the CPU that holds data. Là où là les gars d'instruction en bas là. Allez, c'est là waiting là. Il est là waiting là, on va penser. Attends. Une minute. Bon là, pourquoi il y a une petite confusion là, hein? Attends, écoute ça, comment faire les élèves là rentrer, attends. Écoute pas les élèves là, puis attends. Ah, Juliette peut rentrer, en retard, Juliette, toi, en retard, vous avez fini rentrer. Allez, maintenant, identify the register that supposes that holds the data that has been fetched from the. Ici là, moi, pensez MDR. Où ça là, où là, ne fait rien. MDR. Et là-haut, il dit, identify the register within the CPU that holds an instruction that has been fetched from the memory. Vous pensez ici, c'est CIO, capable. CIO, il peut garder instruction qui peut être décodée. Ok, attendez, il tire ça. Une minute, ensuite. Une minute, il y a une petite confusion là. Vous pensez, le check réponse, hein, CIO ici. CIO, current instruction register. Attendez, il y a un coup de killing de ligne. Voilà, nous venons là. Une minute, il y a un message. Ouais, si ailleurs, ça va. Ok, maintenant, nous venons de réponse. Nous checklist, cross-check, parce que là-bas, il y a des instructions. Voilà. Bon, première réponse, nous guette bien. Si nous mettons par là. Voilà, nous cross-check, nous bonne réponse. Première réponse, c'est Control Unit. Vous avez créé un entier. Ouais, mon pensée. Ouais, mon pensée, mais faites. MDR même. Ouais, attends, nous faisons une petite confusion. Nous faisons un problème pareil. Si ailleurs, Control Unit, première réponse, bien bon. Nous mettons les couleurs vert là. Hein. Control Unit, nous bien dire, mais c'est moi qui te écris en entier. Hein, Control Unit. Deuxième, ALU, tu faisais écrire en entier. Hein, ALU. Deuxième, programme 40, ça, bien beau. L'autre réponse là, il vient MDR. L'autre là aussi, MDR avec si ailleurs aussi, il est accepté, c'est bon. Ok, vous pensez que tu bien faire. Ok, si tu guides bien, tu écris MDR même. C'est une petite confusion, mais tu peux écrire MDR même. Ou bien tu es capable de. Après MDR, il parle de CI, CIO. Veux dire, l'inaccepté, guide bien, l'inaccepté CIO aussi. Mais réponse là, MDR même. Veux dire, ne pas te faire erreur. Nous bien expliqué, mais nous cross-check pour nous faire erreur. Quand on regarde tous les enfants d'accord, nos réponses sont bonnes. Mais nous cross-check, mais tu es capable de mettre CIO. Parce que depuis MDR, il parle de CI, CIO. Bon, Juliette, bonjour, mon garçon. Ça va, Juliette, ou bien écoute-moi. Juliette, la même, une rentrée, là. Oui, Aradé, on peut rentrer.
Oui, mon micro pas bon. Allez, reste tout bonnes affaires, hein, parce que classe pour bien online à ce là. Il y a là mon cas à causer, toi. Correct, mon cas à répondre, ton cas à répondre, mon cas à répondre. Reste tout bonnes affaires pour être capable de faire tout bonnes classes online bien. Tu es équipé bien. Allez, nous continuons. Correct, mais tu as besoin de répondre. Et pas venir en retard dans la classe, demi à temps en retard là. Allez, right. Nous continuons. L'autre question. Bon, pour les élèves qui ne rentrent pas en retard, nous corrigeons dans une bouclette. Papier page 40, question numéro 2, nous finissons corriger. Correct. Et sur bonne réponse, nous finissons donner et nous cross-check là. Sur première réponse, control unit, arithmetic logical unit, mais moi, c'est un décret complet. Control unit, arithmetic logical unit, dans bracket, tu as écrit ALU, programme counter. OK. Memory data register, memory data register en cours là-dedans. Mais là-dedans, c'est une possibilité, mais c'est ailleurs aussi là-dedans. Allez. Maintenant, ça nous terminé. Nous pouvons prendre une autre question. Nous allons un peu plus vite. Nous retournons à l'arrière, avant de l'écrire la bouclette là-là. Allez. Jeudi 2020, papier 12. Correct là, tous les enfants là même. Nous retournons à ce tour là, juin 2020, papier 12. Nous vous redemandons Gridari qui est sur la rage chimie. S'il n'est pas là, il n'est pas pour répondre, il n'est pas pour faire aucun signe de vie. Il est là, nous va prendre la choix, mais il mute, tu vois, ça là. Il est bizarre de répondre, il est bizarre de causer, il est bizarre d'envoyer un message. Correct, il est là, Aradon pour répondre, il est là, comme ça, Juliette pour répondre. Correct, ça gagne ce tour là, c'est bien fini de ce tour. Allez, right. Maintenant, nous prenons sa question là, juin 2020. 20 papier 12. Allez, vous espérez tout le monde vous faire la question là. Juin 2020, papier 12. Correct, nous vous corrigez là. Juin 2020, papier 12. Ouais. Oui, si micro pas bon, ou typez ou envoyez message. Ok, you type and send message. Juin 2020, papier 12. Correct. Allez, nous vous causez là. Juin 2020, papier 12. Qui numéro ça? Vous pensez qu'ils sont un même ça. Allez, juin 2020, papier 12, question N. Correct? Allez, nous vous prenons question là et nous vous discutons ça là. Voilà, nous print screen. Et tous les enfants qui sont au micro, par bon, rien de service, vous avez assez les temps. Faire parents, range au micro. Ok? Et dresse au computer. Laptop. Vous avez fait dresse au computer ou laptop pour faire au bon classe. Allez, maintenant, nous zoom in déconnecté. M'entendez reconnecter, nous mettons une pause là ici. Dans le recording, là, là. Recording peut faire le target vidéo là, après si une rate qui tueuse. Allez, maintenant, nous guettons un coup de côté, nous arrivons. Voilà. Nous vous prenons sa question là, juin 2020, papier 12, question N. Correct? Voilà. Ok. Maintenant, nous pose question ici. Côté nous arrivons, que ça se tourne, est-ce que nous t'y arrivons? Je connais une réponse, je connais une réponse. Ouais, Oujida avait fini une réponse, Oujida bien rapide. Allez, je connais ou la même. Von Neumann Model, Von Neumann Architecture, tous les élèves connaissent, je me pose question plusieurs fois, et ben les élèves en prennent. Von Neumann, c'est un scientiste, il fait computer architecture, il cause single processor, only one CPU. Deuxième, il cause linear sequence of execution, il veut dire faire une chose à la fois, un fetch decode execute cycle, complété pour faire next cycle. Après, troisième, il cause store program concept. Il veut dire programme et data stored in the same memory, and they are considered as the same. Ça n'en finit causer. Maintenant, de vous poser les questions, mon papa trouve ma coune répondre. Gridari Niharika. Allez, Gridari Niharika, il peut répondre à sa question là. Vous l'aimez, mes enfants? Oui, monsieur. Allez, oui. Identify three registers. Qui va un register nous causer dans effet de fetch decode execute cycle? Allez, dis-moi. Memory address register. Allez, memory address register, MAR. C'est moi dans l'examen, pas écrit MAR, hein? Écrit memory address register. Après, qui n'est là? Memory Data Register. Très bien, Memory Data Register. Après, un autre nom pour Memory Data Register. Memory Buffer Register. Très bien. Allez, encore un register qui te connaît? Accumulator. Accumulator, oui, et si, si. Continue encore. Current Instruction Register. Ouais, si, ailleurs. Current Instruction Register, très bien. Mais un register qui premier, tu te rappelles, il est là-haut, là, mon kit sur place. Programme counter. Très bien, programme counter. Correct, mais c'est moi pas écrit abréviation dans l'examen, hein? C'est l'écrit complet. Allez, encore qui register, nous raté là. Bon, il y a des élèves,
Ma kun peut dire, mon papa est capable aussi. Allez, pas grave. Et c'est moi, la prochaine fois, c'est dresser les autres dans une classe, que vous êtes capable de causer aux autres professeurs, aux autres professeurs, car cause aux autres, la classe n'a pas une plus intéressant. C'est créer un environnement. Ok? Memory buffer register, memory data register, current instruction register, memory address register. Voilà un petit peu bonne réponse qui nous est supposé gagner. Maintenant, bonne pass papers qui nous est causé là. Donc, c'est un coup. Voilà, bonne registers. Et réponse in donnée de Cambridge, MAR, MDR, aussi connu comme MBR, programme 41. Programme 41, il est en cours de ben nom. Comment SCR. Vous connaissez SCR? Sequence Control Register. Sequence Control Register. Et ici, il veut dire Accumulator Register. CIR veut dire Current Instruction Register. Et il y a aussi Index Register. IR veut dire Index Register. Et il y a une autre affaire avec ça, Immediate Access Store. Ok, immediate access store, c'est le data vini depuis la RAM, le code immediate access store avant y a la CPU, before processing. Correct? Maintenant, nous avons l'autre question. Maintenant, Villarine bien répondre. Maintenant, nous posons question. Vous voyez, le data peut dire, ah, il finit une réponse, nous pouvons guetter. Mais laisse-nous donner les enfants question. Nagessa, nickel. Allez, right. CPU is responsible for processing instruction. One stage of processing instruction is a decode stage. Identify two other stages. Avant faire decoding, qui l'autre bonne étape est là? Fetch. Ouais, bien bon, bien bon. Je veux dire avant de décoder. Très bien. The fetch, voilà, F-E-T-C-H. F-E-T-C-H. Là, tu decodes. Mais decode, tu vas pas écrire parce qu'il est déjà fini d'écrire. Il finit de toi decoding. Ok? Après, tu as fini fetch. Je exécute pour me dire. Ouais, ouais, non, t'as tenu dire, mais on peut expliquer. On peut expliquer. On peut expliquer comment dire de n'écrire fetch là-dedans, mais ne pas qu'à écrire decode. Moi, tu peux aller écrire decode, moi. Parce que decode, il finit de donner la question là. On peut expliquer, bon, c'est livre. Et là, nous faire execute. Voilà, tu réponds, bon, dit. Et c'est moi, on peut discuter avant c'est livre. Pas besoin en colère. Execute. Ne besoin cause que c'est, ouais. Execute. Mais après, execute. Il y a encore une autre étape. C'est la carte diamant qui est étape, venue. Ne pas trop court ça étape là. Non, reset. Ok, ne pas trop court ça étape là. Mais après ça, vient reset. Mais il y a un computer qui le fait. Il fait fetch, decode, execute. Après, il fait reset. Après, il refait fetch, decode. Il y a des fetch, decode, execute, reset. Fetch, decode, execute, reset. Tu t'en fais une compagnie? Bon, reset là, je ne vais pas trop causer dans mon papier d'examen. C'est un mauvais cause lui, mais j'espère que je connais que reset vini. Reset veut dire nettoyer mes propres. Qui fait te nettoyer mes propres pour prepare it for the next cycle. Allez, l'autre question maintenant. Ok, l'autre question. Identify the component. Alexandre, ce tour-là, nous allons finir en prendre. Fini faire. Astia PSAN. Allez, PSAN. Identify the component of the CPU that is responsible for decoding instruction. Allez, PSAN. Control unit. Ouais, decoding fait control unit. Mais tu as déjà qui côté arrive lui? Non, non, sorry. Decoding, je vais bien répondre là. Decoding fait dans, avec l'aide des control units. Mais qui côté arrive ça? Oui, decoding fait avec l'aide des control units. Mais qui côté arrive ça? C'est un acadiamant. Allez, personne, vous connaissez? CIO. Bien bon, dans CIO. Il y a encore un élève qui répond, il n'est pas capable du temps de dire control unit. Et qui côté arrive ça? Dans CIO. Allez, ça, la question là, je vais finir. Nous prenons une autre question maintenant, vous pensez ça nous correct là. Hein? Et si tu as envie de check réponse, les donne control unit. Voilà. Avant tu as fait avec execute, comment on a ça tu dire. Mais là, moi il y a encore une étape. Après, tu fetch, tu decode, tu exécutes et tu reset. Ok? Et control unit, c'est decoding arrivé. Mais qui côté decoding arrivé, control unit? Dans CIO. Maintenant, nous vous prenons l'autre question maintenant. Correct? Allez, nous retournons à l'arrière, nous pouvons faire à l'arrière, nous pouvons retourner comme ça. Allez. Maintenant, nous avons ça se tout, il pourrait répondre là. Novembre 2019, papier 13. Correct là, je te parle pour lui. Novembre 2019, papier 13, question 7. Correct, novembre 2019. Voilà. Papier, qui papier mondial, novembre 2019, papier? Je me rappelle un peu. Papier 12. Ouais, papier 12, qui numéro? Numéro 2. Numéro 2. Allez, nous parler pour lui. Nous vous posez question, nous regardez que ça se tourne là. Numéro 10. Allez, nous vous causez là. Allez, numéro 2. Ok, on print sa screen là.
ma vous dit là, là. Novembre 2019. Eh, mon frère, là. Ça l'année l'aime, ça? Papier 12, on demande mon nouvel papier 13. T'entends une mal prendre là. Une mal prendre là. Novembre 2019, papier 13. Ok, novembre 2019, papier 13. Ok, question 7. Prêt? Novembre 2019, papier 13, question 7. Ça. Ok, allez. Maintenant, nous pouvons arriver là-bas entièrement là. Allez, ça c'est tout là, qui est un coup. Ok, voilà. Nous cachons ici. Allez, puis ça va finir de répondre. Kedan. Correct, Kedan pour répondre. Et check un coup de lire question là, modifie. The one model for a computer system has several components that are used in the fetch execute cycle. One component is main memory. Describe what is meant by main memory and how it is used in the one model for a computer system. Oui, et bon, tu veux comprendre l'affaire. Dans le monde architecture, on a main memory. Et main memory, tu veux décrire main memory et comment te servir dans le monde architecture. Bon, une affaire qui est importante, CPU, de vous comprendre, on peut faire un petit dessin là pour te comprendre. CPU, il est là. Ok? Et main memory, il est là. Correct? RAM. Et dans main memory, il est divisé en deux parties. Sur l'adresse, tu connais, mon pensée te comprend. Sur l'adresse, voilà ça, RAM, ça. C'est ça, main memory. Et dans main memory, tu as l'adresse numéro 1, D, 3, 28, D, mon vais écrire 3, 4, comme ça. Et là, les gars, sur data, les gars, data, soit instruction là-dedans. Ok, data instruction. Bon, là, tu as connu qui tu as un register. Tu as un register, comment si nous prenons le couleur bleu. Ouais, tu as un programme counter, tu prends valeur programme counter, tu as envoyé dans MEA, tu connais ça. Et là, depuis MEA, tu as la mémoire de cette adresse-là. Après, tu prends ce data ou bien instruction. Tu risques, tu as envoyé dans MDR, MDR. Ça, MEA, ça, hein, si on veut regarder ce milieu. Hein. MEA, non, on a raté là. MEA, on a mal écrit là. Ok, c'est tous les deux règles, ça dit comme ça. MEA. Et là, tu as envoyé depuis le MEA, tu as envoyé le CIA. Et avec l'aide des Control Unit, tu as décodé. Avec l'aide des ALU, tu as exécuté. Correct? Voilà, NTP, c'est ça qui est arrivé. Maintenant, le VDATA qui roule des main memory. RAM, c'est le rôle qui dit. Mais ils font partie de la fetch execute cycle parce que CPU bizarre tient l'état de la RAM et après ils sont capables de créer l'état de la real servie de RAM. Bon, il y a une réponse qui est donnée dans Marking Scheme. Il peut être juste ça. Bon, dans Marking Scheme, l'état RAM, voilà, j'espère que vous comprenez. RAM, main memory veut dire RAM, same primary memory, volatile et RAM, CPU accès RAM directement. CPU lui prend des états depuis de RAM. Et RAM holds qui fonctionne des RAM. Ça n'a pas de RAM, il a trois fonctions. Vous voyez, si mes élèves en cours rappel, RAM, ça RAM là, il a trois fonctions. Pisto, part of the OS. Bien bon, part of OS. Pas entier OS là, hein, une partie là-dedans. Part of OS. Ça nous enfin bien répondre là. Et sa partie OS là, comment on appelle ça? Kernel. Comment on appelle ça? Kernel. Ok, K-E-R-N-E-L. Soit on appelle ça Nucleus. K-E-R-N-E-L. Correct, kernel. Deuxième affaire qui dégage, des RAM gardes qui affaires. Ah. Allez, diamant. En quoi une fonction RAM maintenant qui s'en a gardé diamant? Current. RAM save data temporarily. Allez, current data, c'est un ça current data temporarily. Très bien. En quoi une autre réponse, Mobisa? Dernière réponse, RAM sous fonction. Current. Store current program. Très très bien, very good, excellent. Current programme, je n'ai encore rappel, ça a fait là tu causes des programmes. Il garde current programme, current data avec part of the OS. Mais rappelle bien, sa fonction qui te dit programme là, il est aussi appliqué pour te ban register. Mais c'est moi, register, ça trouve en dans CPU. Mais c'est moi, il a la même fonction que ma RAM. Register, il a la même fonction que ma RAM. Correct? Register, il a la même fonction que ma RAM. Et ça trois fonctions qu'il y en a là. Correct? Allez, ça va finir répondre. Et là, nous get marking scheme, une cause M. Il dit main memory, veut dire RAM, primary memory, du volatile, du host, current instruction, current data, avec les deux CPU data directement. Directement. Correct? Allez, maintenant, qui donne une bien réponse. Maintenant, nous vous donnons l'autre élève, la science
répondre à une autre question. Voilà. Print screen. On a envoyé ça là. Je pose une deuxième question. State two other components of the von Neumann architecture. Allez, là, nous avons un von Neumann sur architecture et encore une question de Goodell. Qui nous a causé de von Neumann architecture? Et nous avons encore le bon component qui nous a. Arithmétique logical unit. Très très bien modifié. Encore réponse? Memory address register. Oui, mais nous avons dit tout bon register. Tout bon register. Mais encore réponse? Monsieur database. Oui, nous avons des buses, plusieurs buses, la database, address bus, control bus, tout ça bon buses. Je dire, réponse, nous avons dit mémoire, RAM, nous avons dit control unit, nous avons dit arithmetic logical unit et nous avons dit bon buses. Correct? Allez, nous avons une réponse qui nous donne pour Cambridge maintenant. Voilà, tout ça bon quelque chose là qui est dans. Comment on appelle ça là? Von Neumann architecture. Je dire, nous arithmetic logical unit. Nous avons des registres, tout ça des registres. Hein? Voilà, nous control unit et encore des registres avec nous des buses. Ok, tout cela font partie de la von Neumann architecture. Là. Tout ça des réponses, hein, accepté. C'est bon, moi je préfère cause ALU, control unit, des registres et des buses. Correct, c'est encore après de plus. Du coup, ça, von Neumann architecture, c'est quatre catégories de choses qui plient pour autant les noms. Man, registres, il y a plusieurs catégories de registres. Allez, nous répondons là. Hein. Maintenant, nous prenons l'autre question. Ça n'est pas fini là. Hein. Oh, ça n'est pas répondre. Et là, nous allons dire. Pourquoi nous finir répondre? Ça, même qu'est-ce que question ça. Goudéal, nous répondons là. Goudéal, nous répondons non. Ouais, Goudéal, nous répondons là. Allez, vous pensez, ça question est trop facile pour Bartou Barra. Ok, bon, tu vas pas dire trop facile, ça monsieur. Identify four other components von Neumann, nous fait répondre. Ok, mais tout de même, nous vous montrer sur marking scheme. Correct? Allez. Marking scheme là, c'est question numéro 2, papier 12. Ok, question numéro 2, papier 12, nous vous guettez sur marking scheme. Voilà. Et von Neumann architecture, même question ça. Si tu veux bien, il y en a sur arithmétique logical unit, il y a tout sur les registers. Ok? Et nous avons nos immediate access store aussi, nous avons nos memory, nous avons nos registers en cours, nous avons nos buses, nous avons nos control unit, nous avons nos input-output devices, nous avons nos secondary storage device, tout ça là est accepté comme réponse. Ok? Maintenant, nous finissons ça, nous prenons l'autre question, nous retournons à l'arrière. Allez, ça nous finit. Bon, enfin, je vais vous dire, moi, c'est ça la question là, nous avons déjà fini de corriger, nous avons répété les temps là. Est-ce que ça nous corrige? Oui ou ça non? Non. Allez, sinon, nous vous corrigez là. Novembre, juin 2019, papier 12, question 3. Correct? Allez, là, je vous prends le temps. Vous allez qui prend le récit faire, il y a le temps. Guette question là. Juin 2019, papier 12, question 3. Correct? Juin 2019, papier 12, question 3. Nous vous corrigez ça là. Correct? Vous avez servi un mot là-haut. Mais c'est pas un mot là-haut là. Est-ce qu'il peut carré servir? Non, il dit là, not all items are used. Tout est observé là. Ok. Allez, juin 2019, papier 12, question 3. Correct. Allez, ready, set, go. Je vous pose question 1. Mais qu'est-ce que ça vous répond? Juin 2019, papier 12, question 3. Correct. Allez, question là, là-haut, là. Et voilà, je vous réponds. Allez, bah, tout va grâce à la question là, pour toi. Commencez. CPU processors. Data and instructions. Très bien. Je prends data, je le mets là. Avec nous prend instruction de mettre là. Mais ça dit là qu'il n'y a pas de sens place. Ok, je suis tout d'accord, nous n'avons pas échange place là. Celle-là vient là et celle-là vient là. Je suis d'accord, moi. Pas de problème. Le CPU processeur data et instruction. L'autre enfant, c'était Ramchand Divish. Allez, causez Ramchand. An instruction is. Instruction is from. Allez, Ramchand Divish, mon garçon. Tu pas là, tu peux dessin animé là-bas, film comique. Allez, d'où, gars? An instruction is fetched from the RAM. Ouais, instruction is fetched from the RAM. Bien beau. Correct, allez, continuez. Soin de l'autre enfant. Gridari, Archini, Archie. Archie. Si pas l'île, elle a un autre enfant.
Allez, Vidari. Allez, Vidari, on va voir si les peut répondre. Allez, Jawahir, Vidari va être retardé. Decoded. Yes, the CPU is then decode instruction. Once it has taken into the CPU where it is decoded. Okay, once this has taken place, the instruction is then. Allez, Jawahir, tu vois. Executed. Très très bien, mes enfants. Ok, allez, nous cross-check nos bonnes réponses. Les premières réponses, data instructional, les cas swap, la fetch, RAM, decoded et executed. Correct, on pensait. Qui l'a ça? Tu nous rappelles l'année là, mon cas Rodney? Juin ça? Juin 2019, papier 12. Allez, right. Juin 2019, papier 12. Qui numéro? 3, mon gars. Allez, right. Nous re-cross-check bonne réponse. Hein. Écoute, pendant que ça nous fait erreur. Voilà, data instructional, il y a swap. Ok, il y a swap. La fetch, la RAM, decoded, executed. Correct? Donc, on finit corrigé. Maintenant, on va la relire. Voilà, sans autre question. Correct? Maintenant, nous vous prenons sa question là, question 10. Correct? Une autre question, ça. Ok. Bon, mais vous savez qu'il y a une question. Nous corrigez ça, si nous corrigez, dire. Hein? Le papier a dit les temps. Nous finissons quand vous êtes ça, mes enfants. Non. Allez, sinon, on continue là. Hein. Bon, là, tous les enfants pégétés qui vous dessine en couleur rouge, ça. Ça qui était ça, que ça n'a qu'à dire, moi. RAM, oui. Ouais, RAM, mémoire, bien bon. Et il y a des colonnes, vous avez trouvé là, il y a des colonnes. N colonne, c'est l'adresse. C'est pas grave, dessine ça, ouais. N colonne, c'est sur l'adresse. Voilà, et l'autre colonne c'est sur content. Voilà, ok. Moi j'espère que tu me comprends. Maintenant, en couleur bleue, vous pouvez dessiner une autre affaire. C'est la carte qui m'a fait redessiner ici. Control unit, non, c'est la carte qui m'a fait CPU. Bien, CPU. Bon. Voilà, CPU m'a fait dessiner. Correct, maintenant. Il y a des résistants qui sont bien importants pour moi écrire là. C'est un cas de moi qui des résistants pour vous mettre là. C'est un résistant. Ici avec MEO. Non. Allez, des résistants. MEO, MDR. Ouais, MEO avec MDR. Ça M et R. Correct. Et ça M, D, R. Correct. Ça des résistants bien importants. Maintenant, MEO à travers ce boss. Si nous avons le couler à ce boss. Ça bosse là comment appeler ça n'a diamant. Ça bosse là comment appeler ça n'a diamant. Adresse. Adresse bus. Adresse bus. Et ça bosse là comment appeler. Database. Bah, database, il a des directions. Adresse bus dans une seule direction. Maintenant, laissez-nous avoir une question. Nous finissons comprendre qui va arriver là. Maintenant, nous avons une question. Programme 40 se va aller. Il y a un programme 40 se va aller. Ah. Bon, c'est-à-dire que tu peux dessiner un programme counter aussi là. Voilà, je dessine mon programme counter sur Valéa. Allez, là, ça, mon programme counter, ça. Ok, sur Valéa, l'infini d'une fois. Ouais. Allez, bon, vous prenez ça, Valéa, programme counter, là, regarde bien. Ça, sur Valéa. On met dit là. Es-tu d'accord? C'est ce que vous faites. Moi, envoyez-le qui côté. Moi, envoyez-le là. Ouais, très bien, tous les enfants vont comprendre là, vous expliquer doucement, doucement. Il y a une difficulté pour expliquer, mais nous allons essayer. Voilà, nous avons dit de MER. Alors là, vous espérez que vous trouver. Maintenant, c'est le code du point aller. Nous prenons le code N00. Bon, il y a des mots qui finissent avec une réponse. Soit reste une minute là, vous déconnectez. Vous reconnectez. On espère du péricode là. Ouais, libérer code. Allez, nous reconnecter là. On peut avancer les laver rentrer. Allez, nous re-rentrer avec même code. Allez, nous re-rentrer avec même code, bonnes enfants. Et nous espérons avancer les laver suivre mon classe. Fatigué, rien sommeil.
Allez, une liste de bonnes affaires rentrées. Admit all rentrées. Vite. Mais l'écran chiade là, non? Allez, tu vois, nos enfants peuvent rentrer vite. Ok, allez, rentrer. Tu vois, nos enfants peuvent rentrer. Réseau. Ouais. Allez, tu vois, nos enfants peuvent rentrer là. Oui, ma coune peut rentrer. Oui. Ok, tu vois, nos enfants presque rentrer là. Bon, la plupart des élèves peuvent rentrer là. Correct. C'était arrivé nous finir classe là. Hein? Allez, nous continuons le travail. Nous admis de bons élèves là. Allez, maintenant, si tu comprends, va aller au programme 40 là, tu finis de nous. Nous prenons une copie de MEA. Maintenant, nous avons le MEA là. Correct. Allez, nous avons le MEA. Qui côté nous va aller dans la mémoire? Bon, les élèves, on va finir de demander une réponse. Allez, wait. Attends, il est rentré là tous les enfants, non? Il n'est pas utilisé, il peut attendre là encore. Voilà, il n'est pas utilisé, il peut attendre mon conseil. Il n'est pas trop usé, là où il est. Bon, je suis à moi, je vous connecte là. Il y a une petite difficulté là-bas, je vous connecte. Ok, les manas rentrent toujours, je ne vais pas nous faire le temps. Bon, on est perdu le code N00N0. Là, ça. Ouais, là. Voilà, c'est quand même que bien écoute ça l'adresse là. Ok. Ok, dis bon là, mon écoute ça l'adresse là. N00N00N0. Correct. Ah, c'était ça content là, c'est ça data là. Du coup, ce outil, vous venez, il peut aller dans MDR. Ok, si vous avez fait une copie de ça data là, vous sélectez lui. Voilà, vous copiez, les bandes d'enfants là rentrer et mon PC là. Hein? Ctrl C veut dire copy, Ctrl V veut dire paste. Qui est arrivé là? Oh, il est là. Attends. Nous récopie ça veut dire. Ctrl C veut dire copy, Ctrl V veut dire paste. Voilà, il est là, de MDO. Ok, mon cas expliqué là. Hein? Allez, tous enfants rentrer là. Il y a encore quelqu'un qui peut attendre. Ok, si je peux attendre, je veux dire, bip moi. Allez, je garde une récit rentrer là. Bon. Voilà, programme 40, ça va aller dans la vie de MER. MER, nous avons la mémoire sur place là. Et nous prenons ce content dans la vie de MDR. Mais c'est pas une affaire. Depuis MDR, il est supposé capable d'aller dans le CIR. Hein? Si tu as mis dans le CIR, là, il est capable dans le CIR. Mais il ne peut pas le montrer. Ok, il ne peut pas le montrer. Ça, le CIR, quand il vous décoder, il est pour exécuter. Maintenant, quelle question là qui est dit? Allez, question là, il est dit comme ça. State the data that will be placed in the memory address register. Il y a la mémoire adresse registre qui te prenne, ça. Voilà, ma copie lit là, mon PST là. Voilà, excusez-moi d'accord. Et deuxième, state the data that will be placed in the memory data register. Moi, dans la mémoire data register, tu prenne ça, valeur là. Voilà, copie et PST là. Voilà. Ok, des petites autres réponses à un coup d'astère maintenant, et vous corrigez. Est-ce que tous enfants comprennent comment nous gagner sa réponse là? Va aller à programme 41, voilà, va aller à programme 41, nous mettons l'idée dans MDA, nous avons la mémoire sur place là, nous prenons ce content, nous venons là. Voilà, et nous finissons notre réponse là. Correct, tous les enfants correct. Maintenant, nous vous checker si c'est mars 2018, papier 12. Ça. Bon, nous allons gagner, nous allons gagner le temps là-bas, mais nous continuons correction. Correct, nous prenons l'autre question maintenant, là. Bon, describe the stored program concept in apply to von Neumann. Bon, dans von Neumann, là, nous avons stored program concept. Nous disons program and data are stored in the same memory and they are considered as the same. They are indistinguishable. Program and data are stored in the same memory and they are indistinguishable. They are considered as the same. Correct? Voilà. Maintenant, nous allons prendre une autre question. Attendez, regardez si nous allons ouvrir. Allez. Question 10. C'est mars 2018, ça non? Comme vous si mon cas ouvert avant de réponse là. Une minute à vous autres, mais vous savez ouvert avant de réponse là. Mais avec mars 2018. Ok, mais avec mars 2018. Mars 2018, mon gagné. Qui papier là, ça? Je ne peux pas me dire. Qui numéro? Mars 2018.
Chapitre 13, numéro 10. Numéro 10, numéro 10. Voilà. Très bien. Nous avons récit corrigé. Et il est là. Sa question-là, nous avons fait corriger là. Celle-là. Non, ça. Ça, nous avons fait corriger. Quelle est sa réponse là? Mais tu as une réponse de MEA sur Valère et MDA sur Valère. Et quel marking scheme là, nous donne la même réponse. Voilà, MEA sur Valère et MDA sur Valère. Correct? Et nous donnons en quoi notre réponse. Une cause, le, sa partie là. Describe stall program concept. Et stall program concept veut dire program and data are stored in the same memory. And they are considered as the same, same memory, and same memory quand nous avons data. Avec avec instruction et là il permet de faire face du code execute cycle répétition du possible. Maintenant si tu possible prends encore une autre question, nous get mars après nous dire mai mars après la mai 2018 ce après tout mars novembre 2018 juin 2018 après si même la fin. Mais tu nous as une question numéro 2. Bon, pourquoi nous voir perdre des temps là, nous continuons. Nous prenons une autre question. Ça n'a pas fini de répondre. Hein? Ça n'a pas fini là. Alors, tu sais qu'un coup, si ça m'a fini de corriger, je dis à moi, fini de corriger, c'est pas une corriger de vous faire ça là. Tu sais qu'un coup de bonnes enfants, j'ai 2018, nous faire un. Non. Allez, si nous pas nous faire ça, nous vous prenons sa question là. Kevin correctly answered the question examination about von Neumann, 8 different terms in the new. Complete the sentence Kevin answered using the list given. List given. Voilà, la liste de l'indemnité, tu as besoin de service à Van Bola. Correct? Bon, Van Bola, c'est accumulateur. Dans l'examen, tu écris comme ça. Accumulateur, dans le bracket, tu écris ici, ici. Address bus. En fait, address bus, c'est memory address bus. Non, M. Address bus, memory address bus. Ouais, M. ALU, Control Unit, tu écris entier là dans le bracket, tu mets en abréviation. Database, Execute, Fetch, Immediate Access Store, Memory Data Register, MDA, Program Counter, tout ça. Bon, nous avons aussi un mot là ici. Correct? Allez, nous avons un coup, les enfants, c'est carré pour une sang. Voilà. Maintenant, nous avons l'équipe présente, les récits finissent sur eux. Correct. Boudou Asif. Bonsoir. On réussit venir. On réussit trouver vous. La sonde bon est trouver vous là. Allez, Boudou Asif, t'es la même. Oui, chef. Allez, nous guettons si nous éteignons la sens. Parce que nous ne pouvons pas être gâteau là. Mais tu pas gagner, tu pas. Nous ne pouvons pas pas. Ok, c'est la bonne question là, bonne gâteau ça. Allez. Maintenant, Boudou, tu peux répondre à cette question là pour nous. Central Processing Unit, qui diffère data avec instruction? CPU qui diffère? Fini de ten hit. The Central Processing Unit qui diffère data et instruction? C'est mon fils de la première alphabet qui vient. Monsieur, des instructions? Non, dans son CPU, il fetch. Tu vas suivre ça, ça peut être là, dis tout, il y a une vidéo, ND alert. Et un central processing unit, il fetch data instruction and store them in the. Qui côté il y a voué lui? Il vous a wait là, wait. Allez, nous donne sa question là, les enfants. Allez. Batu Bara, côté il wait for processing. PC? Non. Le tiers d'état de vie dans la mémoire terminé te garder dans l'immediate access store. You wait to be processed. Ok? Et qui a fait hold the address of the next instruction? Ça, l'évite PC. PC hold the address of the next instruction. Et là, nous continuons. This address is then sent to the. To the. Depuis dans PC, quand nous envoyons ça l'adresse là. Allez, Juliette, pour répondre. Ouais, moi je peux donner ça, Juliette, mais je suis dit répondre. Et mais, ben nous donnons Juliette une question qui est venue. Nous prenons l'adresse là, on envoie dans MEA. Correct? Et là, data from this address is sent to the. Allez, Juliette.
Pena micro, pena noël là. Allez, type, Juliette, type, ouais. Vous dites d'infini répondre sur place. Juliette, on a la sens de. Navrida MDR. Correct. Maintenant, instruction can then be decoded and. Le cas decoded, après qu'il nous fait l'instruction, nous decode et nous exécute. Ok, nous décoder et nous exécute. Correct. Any calculation that is carried out on the data are then done by the ALU. Ouais, très bien, ALU. Et during calculation, the data is temporarily held in a register called ACU. Accumulator. Tu dois dire temporaire. Accumulator. Allez, maintenant, nous vous checkons nos réponses, les bons et pas bons. Avec marking scheme. Et marking scheme, nous voilà. Rodley, là. C'est jeune 2018, papier 12, question 6. Allez, rappelle-lui. Jeune 2018. Oui. Papier 12, question 6. Ok. Et nous checkons nos réponses, un des autres. Voilà. Question 6. Allez, checkez bonne réponse qu'il nous donnait, est-ce qu'il est bon et pas bon. Correct. Ça nous minimise et nous mettons là. Allez, checkez nos deux réponses là. Première réponse, fetch, d'un double là. Deuxième réponse, immediate access store. Correct, les wait là. Et les là, les vins, nous prenons le programme counter, nous copions dit dans MER, nous envoyons dit là dans MDR, et là nous exécutons, et control unit, les fait bonne calculation, et accumulator, histoire temporaire. Correct là, tu dois faire un récit. J'espère que vous comprenez. Donc là, tous les enfants avaient corrigé bonne réponse. Hein? Et qui m'a fait là? On va dire si Vericode. Ouais, les Vericode. Allez, toutes réponses m'ont discuté aux autres, m'ont pensé d'être correct. Maintenant, nous continuons l'autre question. Question, I'm waiting. Ça n'a pas wait ça. Vas-y, les bâtons, non? Manzele da waiting. C'est un da waiting. Il est fini de rentrer là. C'est un manzele da waiting. Je l'ai vu rentrer là, plein de personnes da waiting. Allez, nous continuons donc. Correct. C'est comme une dernière classe. Bon, une dernière classe qui se peut dire après une break ou ça dépend les autres. Hein? Parce que si vous faites une classe, vous faites une classe pareil comme vous aimez ça. Aller là, on va connaître. Moi, dépend les autres. Vous décidez, nous vous courez ça là. T'as l'air d'une 15 minutes encore. Nous courez ça. Est-ce qu'il quand nous fait une dernière classe? Ça dépend si vous avez envie de prendre une break. Nous prenons une break. Si vous n'avez pas envie de prendre une break, nous continuons slowly pareil que moi ne peut faire. Fait papier d'examen, dépend le jeu de ça. Allez, maintenant le papier, t'as rien à vous guetter sa question là, c'est pas pour prendre brique, pas pour prendre brique. Voilà. J'ai 2018. Nous faire sa question là, oui ou non? Oui, infini faire. Allez, ça, infini faire, ne pas beaucoup vous dire ça. Nous scroll. Ça aussi, infini faire, sûrement. Oui. Et la réponse là, c'est la réponse. Et ça, three types of buses, vous pensez tous les élèves connaissent, non? Three types of buses. Address bus, data bus et control bus. Correct là? Trois buses. Et chaque bus se va fonctionner. Fini faire ça? Ou ça non? Oui. Fini faire. Monsieur, je ne peux pas te faire une question là parce que des fois, je finis faire une question pareille comme ça, on ne pourrait faire. Ouais, mais j'ai déjà la réponse là. Hein? Vous pensez pas là, la plupart de fini faire. Qu'est-ce là? Ça aussi, vous pensez de fini faire. Qu'est-ce que tu oui, il finit faire. Allez, écoute-moi pas de faire de dire, moi, là. Allez, c'est la question, là, paraît intéressant, mais on va connaître si moi, faire. Novembre 2015, papier 13. Il fait, monsieur. Il fait, hein? Une jolie question, ça, hein? Il est assez long, ça. Ok, une jolie question, mais je demande, moi, il finit faire, il est bon. Il fait très bien, si moi, il finit faire, il ça aussi, moi, pensez, moi, il finit faire.
C'est quand même écoute. Il paraît. Ouais, ça aussi, moi, je finis faire. Maintenant, il y a une des questions là-dedans. Ça va une question là où là, moi, pour checker. Moi, pour faire tout pour vous garder un peu pour révision là-dedans. T'as pas, moi, pour essayer de prendre une question qui est un peu différente. Correct? Ah, ouais, il y a une question qui est intéressante là-dedans. Je me tiens envie de faire. Ouais. Attends, moi, vous dire à autres là. Est-ce qu'il m'en explique, vitesse CPU, comment mesurer tout cela? Mon cause, bus line, non? Speed of performance of a computer, non? Si mon pan fait, je suppose à cause ça, là, termine ça. Ah, musique. La musique est mauvaise. Allez, écoute, mettez là. Un minute, ensuite. Allez, je dis à moi, ça bout là, mon fait ça, non? Un petit bout pour causer là-dedans. New Helen Medium se livre. Un hardware. Voilà. Ok. On a un petit bout pour causer là. Ouais, ça. Get ça un petit bout de diamant si on causer ou ça, non? Je suppose causer qui veut dire cause, qui veut dire cache memory, qui veut dire internal clock. Et lui-même, comment, bonne question qui se tague dans l'examen, bonne facteur qui vous prend en considération les gains de performance d'un computer. Vous le causez ou ça non? Non, je ne sais pas quoi. Allez, ne vous accueillez ça, bout là, ça n'est pas un bout qui est resté là. Hein? Ok, laisse-moi finir avec ça, là, il y a une question qui est reliée là-dedans, un petit bout, ne vous guidez. Bon, dans un computer, enfants, je vous comprends. Les nuggets sur performance, overall performance avec computer. Correct, performance en computer n'est pas déterminé par un seul facteur. Il y en a plusieurs facteurs qui peuvent prendre en considération les nuggets. Et bien, maintenant, comment trouver les outils? Non? Bien, maintenant, comment rentrer, non? Sur les outils, là. Allô? Bien, maintenant, comment rentrer, non? Les malades, tout ça. On ne peut pas trouver, non? Allez, après je t'envoie le message. Allez, nous guettons un coup là. Maintenant, un facteur qui détermine vitesse d'un computer. C'est-à-dire overall performance of un computer. Ce performance détermine des plusieurs affaires. Performance d'un computer. C'est-à-dire ce internal clock. Sa première affaire qui est pour autre. Internal clock. C'est même appelé ça system clock. Bon, un clock cycle. Qui fait clock cycle, il y a un pour autre. Vous expliquez. Un clock cycle, lui-même, comment dire, il fait face du code execute cycle. Et clock cycle mesure en Hertz. H-E-R-T-Z. Donc, vous connaissez ça. Et 3.5 GHz. C'est-à-dire 3.5 billion clock cycle. Parce qu'un chaque clock cycle, il fait un fetch du code execute. Chaque cycle, il fait un fetch du code execute. Vous voyez où l'équipe est là. Chaque battement l'équipe. Et ici, combien de battements l'équipe peut faire, combien clock cycle il peut faire. 3.5 billion clock cycle dans n secondes. Je veux dire, si moi j'ai deux computers, deux CPU, un là, disons, 2.5 GHz, un là, 3.5 GHz. D'après eux, laquelle pour plus rapide? 2.5 ou ça 3.5? 3.5. Ouais, je veux dire, je vous connais qu'un computer sur la fausse, vous êtes guetté pas sur clock cycle. Combien clock cycle il y a? Bon, normalement, un i3, ce clock cycle, il est capable de 2.4 GHz. Un i3, il est capable de 2.4 GHz normalement. Et un i5, il est capable de 3.2 GHz environ. Correct. Et un i7, il est capable environ 3.8 GHz. Ok, bon, moi, je vais écrire bien la gigahertz, HZ, hein? HZ, si vous avez un H partout, là, H partout. Moi, je vais écrire avec mon mouse. Mais, à ce moment-là, INIF. INIF, vous avez encore plus faux que ça. Moi, je ne connais pas 4.2 GHz, si on finit sur outil, ben clock cycle. Je veux dire, ce moteur, ce battement, ça n'appelle pas clock cycle. Je veux dire, qui détermine une vitesse de computer? C'est ce clock cycle. Je veux dire, combien clock, combien cycle il peut faire. Cycle là détermine combien fetch du code execute cycle il peut faire dans une seconde. Comment si nous disons 3.5 clock cycle, je veux dire 3.5 billion clock cycle, parce que gigahertz est cycle pour ça. Maintenant, un deuxième affaire, je vais vous causer. Vous pouvez espérer, je vais comprendre. Bus. Qui veut dire bus?
dans chemin, plus chemin plus large, ou vous capable plus beaucoup d'état pour aller. Mais ou adresse bus, ou adresse bus sur width, sur largeur, il est capable 8 bits. Ok? Il est capable combien de bits en cours? Il est capable 16, il est capable 32, il est capable 64. Mais si plus beaucoup de bits de adresse bus y était, plus beaucoup de RAM il est capable d'avoir accès. Mais si un computer n'a plus beaucoup de RAM, maximum les cas support, il vous fait un computer plus rapide. Mais il y a une adresse bus pour déterminer puissance de computer. Plutôt augmente l'adresse bus sur 8, c'est-à-dire si chemin large, plus beaucoup de véhicules capables de passer et plus beaucoup de data capables de passer. Mais il y a une adresse bus avec ton data bus sur size, sur width, combien de bits qui étaient, combien de wires pour y en. Combien de wires pour un autant rapide computer là pour être. Mais déjà un computer le 32 bits avec un computer le 64 bits, laquelle plus rapide d'après eux? 64. Ouais, normal 64 bits pour plus rapide. Parce que ce brush line plus faux. Quand on regarde, deuxième facteur, on cause en ce temps. Premier, on cause système clock. Deuxième, on cause brush line. Je peux suivre, hein? Maintenant, troisième facteur, on va te donner une affaire. Et dans les élèves, li alda bayous. Moi, j'espère que tu connais qui veut dire bayous. Si je ne connais pas qui veut dire bayous, je peux expliquer. Ouais, basic input output. Le computer, il va boot. Comment tu allumes, il va gagner les chrétiens blancs dans le background noir. Tu pèses FD, soit tu pèses Dell. Correct? Si tu pèses FD ou bien Dell, il alda un l'écran bleu comme ça. Moi, vous montrer ce qui veut dire bayous. Ici même, le configurement technicien travaille là-dedans. Bayous. Et ça l'écran là comme ça, ouais, ça nous appelle ça BIOS. Là, t'as vu ça l'écran là, là, là. Ça nous BIOS ça. Et de BIOS nous capable configurer nos PC sur vitesse. Nous capable configurer nos clock speed ici. Et bien nous capable augmenter nos clock speed. Nous faire comme des moteurs là, roule plus vite, nos CPU roule plus vite. Nos computers pour roule plus vite parce que ce setting nous peut changer là, regarde là. Ce CPU speed, t'as trouvé là, regarde la fréquence. CPU speed et ça, moi tout de tout mon mouse là, il est 2.9 3 GHz. Je ne peux pas overclock. Qui veut dire overclocking? Je vais expliquer, hein? C'est suivant. Overclocking veut dire mon sens, mon clock speed de BIOS. Je change le clock speed. Je fais living higher. Et je fais living higher. Je veux dire plus beaucoup fast decode execute cycle de pour faire par seconde. Je veux dire que le computer pour vivre plus fort. Le computer pour être plus rapide, mais à long terme, qui peut arriver? Car le computer là vous fatiguer. Tu connais fait te faire un bon car oui, plus vite, plus vite, plus vite. Mais il vous fatigue, il peut être unstable. Il va nous faire overclocking, il va overheating si. Il souffre, le processeur souffre. Bon, tu peux faire overclocking pour un petit temps. Mais si tu fais overclocking trop beaucoup de temps, il est là, le computer là capable d'avoir un problème. Je veux dire, overclocking est bon, il fait rapide, mais c'est moins long terme. Il cause problème dans ton computer, dans ton machine. Il fait les chauffer et il est instable. Et dans BIOS, qui va le faire ça? Est-ce que vos enfants comprennent overclocking? Oui ou non? Je veux overclocking, il va faire justement crash. Oui, voilà, il fait dialogue dans ce notes. Il est overclock. Faites-moi dire que tu as le tour, tu veux payer accélérateur dans le fond. Qui est arrivé? Il a dérapé si la route pas bon. C'est vraiment, mais overclocking, c'est un risque qui te prend. Tu peux faire le maximum, maximum, maximum. Mais un lait, tu n'as pas qu'à faire pour beaucoup de temps. Il vous souffle. Quand regarde tes enfants, ils comprennent overclocking. Et quand tu as fait ça dans BIOS, et comment tu rentres dans BIOS, tu payes FD, soit tu payes Dell, tu aller de sens sur CPU speed. Tu as CPU speed là, sur fréquence, tu sens. Mais que overclocking, tu fais un bon jeu game, tu as fait un petit temps. Mais tu n'as pas qu'à rouler trop pour l'état, tu sauf ton processeur pour gagner un problème, là, le sous-board, tu peux sauver. Correct? Bon, maintenant, il y a une question. Ouais, ça veut dire. Enhance computer sur performance. Oui, enhance. Computer vient plus fort, plus rapide, mais c'est mort, tu peux prendre un risque. Tu peux fatiguer ton processeur. Correct? Allez, ne vous causez pas de bonnes affaires là. Si c'est une question de cause, moi là. Hein? Et d'après notre cela, les noirs lignes, une fille cause overclocking. Maintenant, on peut cause cache memory. Ah, et dans les élèves, vous comprenez ce qui veut dire cache memory. Correct? Si je ne comprends pas ce diamant, vous pouvez expliquer. Bon, les trois, c'est un CPU. Mais dans CPU là, tu as un peu de mémoire.
ok, et ça va avec sa cache memory, les force, les plus rapides qui RAM. Correct, à ce tiers, vous montrez si vous amenez une photo, quand vous montrez votre cache memory dans CPU, C-A-C-H-E, cache memory dans CPU. Souvent, des fois, longtemps, les tilos motherboard, ça une cache memory, ça. Et souvent, des fois, ben, intégrer dans motherboard. Bon, ça, ça photo là pour faire comprendre l'affaire. CPU là, de RAM là. Il y a cache memory, les plus rapides qui RAM. Les pré-auto CPU. Soit parfois, il y a intégré dans CPU. Moi, dans sa photo là, tu as trouvé un cache memory, ils ont intégré dans CPU là, en dans lit. Il veut dire, lettre mémoire. Disons, un élève peut trouver, peut vendre un processeur i5 3.D. Un autre place, il peut vendre un processeur i5 3.D. Mais un autre place, plus cher, ce prix pas pareil. Qui fait ce prix pas pareil? Parce que plus beaucoup cache memory il peut y en a, et ce clock speed pareil, mais plus beaucoup cache memory il y en a, il peut faire un computer là plus rapide. Voilà. Et la cache memory, c'est mémoire qui trouve dans le processeur en dedans. Plus beaucoup cache il peut y en a, voilà. Dans mémoire en dedans, tu peux y en a ce cache memory. Plus beaucoup cache memory il peut y en a, il peut plus rapide. Il peut faire des computer plus rapide. Correct processeur. Pas de get, vous pouvez redéter la diversité de CPU, pas n'existe get ce clock speed. Vous avez aussi ce cache memory. Cache memory, il y a un type de RAM, mais il est plus rapide qu'il RAM. Il est faster dans le RAM. Bon, le Windows Nuts, il y a un cache memory qui est bien. Cache memory, il trouve en dehors de CPU, il y a un type de mémoire comme un RAM. Mais unlike RAM, cache memory is located within the CPU itself, il y a un CPU. Et il est faster dans le RAM. Correct, et il augmente le RAM bien. Je veux dire, regarde bien, si un enfant perce un processeur à disons 3.10 GHz, un processeur, etc., et il y a un MB cache, et un autre enfant perce le même processeur 3.10 avec GHz, hein, avec 4 MB cache, laquelle te vous préférez te passer, dis-moi 4 MB cache. Ouais, mais 4 MB cache, ça se prie pour plus, hein. Tu vas pas gagner le même prix. C'est d'accord, moi. Si celle-là fait moins de 10 000, l'autre là, 4 MB cache, il est capable de venir 14 000. Mais il n'est pas même vendre le même prix parce qu'il n'a plus beaucoup MB cache. Et s'il n'a plus MB cache, il peut procéder plus rapide. Ce clock speed, pareil. Mais ce cache memory, il augmente sa performance. Correct? Vous espérez tous les enfants, ils comprennent. Mais il y a des tas aussi de RAM, ils rentrent dans sa cache memory là. C'est même sa cache memory là, on avait ça immédiat access store stored. Maintenant, à ce terme, l'autre affaire qui ne vous prend en considération, cause. Ok, bon, plus beaucoup de cores tu as dans le CPU, il improve sa performance. Il y a dual core, il y a quad core, etc. Bon, chaque N core, il y a son propre ALU avec son control unit, avec son register. Correct? Chaque N core, il y a son ALU control unit avec son register. Bon, les enfants, faites moi dire, tu as un auto explore, l'auto pariage, permet de rallye. Mais parfois, il y a un copilote. Mais s'il y a un copilote là-dedans, qui lui fait? Il n'a pas fait 10 minutes de travail pilote là, et ma machine là va beaucoup plus rapide, parce que le copilote peut donner instruction, il peut get map, tout ça. Et pareil comme ça même. Il y a un processeur, mais s'il y a dual core là-dedans. Mais il y a deux cores, deux cerveaux peut travailler là-dedans. Et il peut faire le computer plus rapide. Correct? J'espère que je vais comprendre, je vais essayer de comprendre ce qu'il m'a fait dire aux autres. Voilà, cause. Plus beaucoup de cause, tu peux la chaque core, il y en a sur ALU, sur control unit et sur register. On va dire un cerveau. Mais un dual core. Un dual core. En CPU, c'est un dual core. C'est un deux core. Comme si pilote avec copilote. Mais ils ont fait marcher la plus rapide. D'après, c'est un seul. C'est un quad core. Il y a quatre pilotes persistés ensemble. Mais là, avec contrôle le véhicule là. Mais ils roulent plus vite. Voilà. Plus beaucoup de cause pour une heure. Ils vont faire plus beaucoup. Augmente vitesse d'un computer. Maintenant, qui va le facteur vous prendre en considération dans la performance d'un computer? So, bus 8, comment on dit, bus 8 veut dire database address bus. Plus beaucoup de database address bus plus large, et il vous fait le computer plus rapide. Le clock speed, normalement, oui. Même sur le speed, des fetch execute cycle, mesure hertz. Ça aussi, tu peux prendre en considération l'effet de la vitesse de computer. Et si tu alters le clock speed, correct, le bus line, le computer pour augmenter. Si tu as multi-cause, le computer sur vitesse pour augmenter. Tu n'as plus beaucoup de cash. De vitesse de computer pour augmenter. Je veux dire, tout ça va le facteur là de bien prendre en considération l'état de vitesse de computer. Correct? Bon, on arrive à la fin de ce chapitre là. Le chapitre qui nous vous prend, embedded system la prochaine fois. Bon, on va être là, écoute.
Bon, il y a des affaires qui nous pas causé instruction, mais l'instruction qui vient, il y a des parties là-dedans, il y a au code et au plan. Correct? Bon, on arrive à la fin de cette classe-là, mais pour arrêter pas la même, on est expliqué de ça.